Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que tu ne manges pas les animaux? Oui. Et pourquoi? Parce que ça je sens sa douleur des animaux. Tu sens la douleur des animaux? Oui. Quand tu passes à côté d'un restaurant Oui. et qui cuisine les animaux, tu sens la douleur? Oui. Tu as déjà mangé des animaux? Non. Jamais? Jamais. Jamais. Même un œuf? Non. Non. Un œuf, c'est un animal? Non. Non? C'est quoi un œuf? C'est la poule. C'est la poule? Oui. Ou c'est son bébé? C'est son bébé. Alors, c'est le petit poussin, l'œuf? Oui. Et c'est quoi le poulet? Je sais pas. Tu sais pas? Non. C'est la petite poule? Ou le coq? Le coq? C'est le coq? Oui, pas d'autre. Et du coup, t'es en bonne santé? Oui. Oui, t'es plein d'énergie? Oui. Oui. Alors, tu cuisines quoi à la place? Oui, à la place de la viande, tu cuisines quoi? Des lentilles. Des haricots verts. Ah, ça, c'est les légumes, oui, les haricots verts. Des végétaux. Oui. Des pois chiches. Oui. Des haricots rouges. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas. Il y a plein d'autres choses qu'on peut remplacer pour avoir les protéines. Des chips. Ah oui, les chips. Il y a de la viande dans les chips? Non. Non, en général. Mais il faut faire attention. Parfois, ils mettent un goût avec de la viande. Et les bonbons, on mange les bonbons? Non. Non. Sans de la viande. Sans la gélatine. Parce que dans la gélatine, il y a du porc. En fait, ce sont les os des animaux qui font cuire et ça crée de la gélatine. Le porc. C'est un cochon, ça. Voilà, le porc, c'est le cochon. Et tes petits copains, ils mangent des animaux, eux? Non. Non, ils mangent pas les animaux? Oui. Il y en a oui et il y en a non? Il y en a oui, il y en a oui, il y en a non. D'accord. Et ça se passe bien? Oui. Le chocolat, tu manges du chocolat? Non. Non? Le chocolat avec des œufs, ça se fait pas. Ça se fait pas? Non. Et est-ce que tu bois le lait de la vache? Non, c'est pas bon. C'est pas bon? T'as goûté? Non, jamais. T'as jamais goûté? Non. Et le fromage? Non. Non plus, c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? Parce que les fromages avec les œufs, c'est pas bon. Les fromages et les œufs, c'est pas bon? Tu chuchotes? Oui. quoi d'autre? Et les saucisses, c'est quoi? C'est de la viande. C'est de la viande. Et tu en manges? Non, jamais. Non, jamais. Tu vas jamais manger de la viande? Non. Alors, on n'a pas besoin de viande pour grandir? Parce que je la sens la douleur des animaux. Eh oui, tu sens la douleur des animaux. Et comment t'as ressenti ça quand? Maintenant. Maintenant, d'en parler, tu le ressens? Oui. Et ça fait quoi dans le corps? Alors, dis-moi, ça ressemble à quoi un goûter? Un goûter vegan ou ça, végétarien? Ça ressemble à un carré. C'est un carré? Mmh. Ah, et il y a quoi dans le carré? Il y a des pommes de terre, des cacahuètes? Oui. Des noix? Des noix. Il y a quoi? Des figues? Des figues. Ah, c'est une barre de céréales avec des raisins secs? Avec plein de fruits secs? Oui. Ah, et c'est bon? Oui. Ça donne plein d'énergie? Oui. Et au petit déjeuner, c'est quoi un repas? Un repas royal?
Qu'est-ce que tu manges le matin avant d'aller à l'école? Je sais pas. Tu sais pas? C'est différent tous les jours? C'est différent, pas tous les jours. Pas tous les jours? Non. Parfois c'est la même chose? Oui. Est-ce qu'il y a du pain? Non. Non, il n'y a pas du pain? Si. Ah, il y a du pain. Il y a du beurre? Oui. Oui. Et dans le beurre, il y a du lait de la vache ou pas? Non. Non. Alors c'est de la margarine? Oui. Ou alors c'est du beurre végétal? Là. Ah, avec des noix de cajou? Tu aimes ça? Oui. Ah, tu as beaucoup ça, je vois. Et ensuite, le repas du midi et du soir, il y a quoi? Il y a plein de couleurs? Il y a plein de petites couleurs. Aussi, on vit dans une plante. C'est une plante? Tulsi, c'est le nom d'une plante? Oui. Tu en prends soin? Oui. Et est-ce qu'on peut manger de la viande pour prendre soin de Tulsi? Ah non, il faut être végétarien. Il faut même être végétalien. Rien prendre du tout d'un animal. Et c'est une plante sacrée? Ah. T'as une petite faim? Allez, on va préparer un gros repas vegan. Avec de la toussie. Avec de la toulsi? On peut en manger aussi des petites feuilles de toulsi? Oui. D'accord. On va faire ça alors. La toulsi, c'est comme du basilic sacré. Je vais tout manger. Tu vas tout manger. Bon appétit. Merci.